Eh bien salut à tous, Azimzen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le nouveau mode, donc espion intérieur. Aujourd'hui les gars, donc pour tuer, éliminer des adversaires, ce qui nous est demandé pour ce défi, il va falloir donc jouer au jeu jusqu'à ce que vous soyez dans l'équipe des espions, donc Spy Team en anglais. A partir de là, vous allez avoir 30 secondes à attendre jusqu'à ce que votre arme soit prête, et je vous conseille de, dès que l'arme est prête et qu'il y a quelqu'un à proximité, de lui mettre juste un coup de pioche directement pour l'éliminer, puisque ça vous validera votre défi. Le but c'est d'en faire 3, je l'ai fait 3 dans la même partie. Après certes, il ne faut pas vous faire voir par les autres, donc dès que vous voyez quelqu'un qui est un peu coincé dans un coin, vous lui mettez un coup de pioche, et ça vous valide donc un kill sur 3. A partir de là, vous aurez la récompense. Donc, qui est une musique de lobby que je vais vous montrer ensuite en récompense. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me le poser en commentaire parce que ce mode de jeu est assez bizarre. Toutes les autres vidéos sont d'ailleurs sur ma chaîne si vous voulez checker, faire des parties, accomplir des tâches, etc. dans ces parties-là. Donc, je vous laisse regarder et je vous retrouve pour vous montrer la récompense tout de suite. Merci de retour sur le menu et on a le mix des fêtes, les gars, avec en plus 20 000 d'XP. Donc, ce mix-là, il est extrêmement doux, donc on n'entend pas très bien. Mais là, vous commencez à entendre le truc. Parce que ça commence à bouger un peu dans tous les sens. Donc voilà les gars, la récompense que vous obtiendrez une fois que vous avez fait. Donc 3 kills dans le mode de jeu espion. Il est là, il est gratos et il est pour nous. Il nous reste donc du coup à faire encore 2 parties et à ramasser encore 4 tâches donc dans le mode de jeu. Et on aura toutes les récompenses que je vous montrerai dans une vidéo. Donc c'est parti les gars. Bon visionnage sur les autres vidéos, n'oubliez pas si vous avez des questions de me les poser en commentaire. J'espère que vous avez en tout cas compris comment faire pour tuer les gens. C'est assez compliqué ce mode de jeu, mais je pense qu'au fur et à mesure on comprendra assez facilement. Donc je vous remercie, n'oubliez pas le code créateur Telmo-Lopez en boutique les gars. Et surtout le plus important, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.